Bonjour à tous, c'est Moon Angel et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode, je crois, de notre Let's Play sur Rhythm Tengoku. Alors, déjà je fais mon épisode dans le salon au lieu de ma chambre, donc ça risque de poser quelques soucis au niveau des chats par exemple, voilà. Donc dans le dernier épisode, on avait fait quoi? On avait fait à partir du lapin jusque là, c'est déjà pas mal. Alors, avant de commencer, je voulais faire une petite précision, c'est que, bon, pour l'instant, je vais alterner les let's play de FF6-10 et Rhythm Tengoku jusqu'à quand celui-ci sera fini, parce que, à mon avis, il ne durera pas longtemps. Ou bien celui de FF6. Parce que celui de FF6, j'ai bientôt fini, donc peut-être que celui-là aussi. On sait pas. Donc le premier qui finit, je vais retourner à deux let's play en même temps, parce que 3, ça fait un peu trop. Et j'ai déjà prévu les jeux, donc les propositions c'est pas vraiment nécessaire parce que j'ai déjà prévu les jeux. On va dire que je vais garder le secret, même s'il y en a certains, enfin il y a certains c'est évident, d'autres pas, donc je vais essayer de garder le secret. Du coup on devait faire ce truc là, le mini jeu du Paisu. Non, je ne comprends rien à tes explications, ça sert à rien. Ok, donc en gros, on doit appuyer sur A quand sa main est rouge. Je t'en fais voir le rythme. Voilà. Et en gros, il y a deux mouvements. Voilà. C'est tout simple, il y a juste deux mouvements. Il faut tenir comme ça tout le long de la musique. Donc c'est parti. Alors ce mini-jeu-là, il est aussi sur Wii. Enfin, il est aussi sur Wii. Dans la série des... Ok. Dans la série des mini-jeux rétro, donc c'est un peu normal. Voilà, en fait, c'est tout simple. C'est tout simple et je me foire. Voilà. Alors le truc ici c'est qu'il faut bien écouter parce que parfois il le fait un peu au hasard. Mais une fois qu'on connaît les formes, ça devrait aller. Voilà. Et comme j'avais déjà fait sur Wii, je connais plus la musique que les autres mini-jeux, enfin que la plupart des autres mini-jeux. Ok. Mais je me rate quand même. C'est pas grave. Allez! Là, j'ai juste essayé d'avoir un hockey. Hein. Ok, c'est pas grave! C'est surtout les supers qui sont difficiles à avoir. Donc, les supers, je ferai sûrement hors caméra. J'ai raté. Déjà j'aurais pas mon super parce que je sais que qu'il faut réussir la fois obligatoirement pour avoir le super, donc à mon avis j'aurais un ok. Et si j'ai à recommencer, non c'est bon, j'ai un ok. Oui. Gna gna gna. Voilà. Alors oulalalala, ça je pense que ça va être dur. Enfin bon, vous comprendrez le principe. Voilà. En plus, il y a même pas d'exercice. En gros, il faut appuyer sur A, voilà. Appuyer sur A quand les espèces de bidules viennent. D'ailleurs, de ça aussi, il y aura... Je pense que ça s'appelle à la chaîne. En français. Il y aura le... Enfin, pas le même... Mais je veux dire dans le même principe quoi, une espèce d'usine avec des petits bidules qu'il faut soit faire sauter, soit emboîter. Je me rappelle plus de celui sur lui, c'est bizarre. Je sais que dans celui sur lui il y en a un. Avec aussi des bidules. Merde, je sais plus du tout à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, comme mes touches sont pas dans le bon sens, les commandes sont inversées. En gros, je vais appuyer à gauche quand ça apparaît à droite, et je vais appuyer à droite quand ça apparaît à gauche.
Encore ici, c'est facile. Il y a un deuxième mini-jeu dans Rengoku, un peu plus tard, qui sera pas vraiment évident du tout. Enfin bon, ça c'est pas pour tout de suite, heureusement. Ok. Ah oui, mais c'est parce que j'ai inversé, voilà. J'ai fait l'erreur que j'ai dite. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, en tout cas, ça dure pas longtemps. Oh mince. Par contre, j'étais presque. Quand il y a la petite bulle en bas, ça veut dire qu'on était presque. Bon, me revoilà. J'avais fait quelques fois, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une ellipse, sans vous prévenir. Donc voilà, je suis parvenu à mon ok. Parce que je me suis dit, ouais, si je recommence trop de fois, après ça va pas aller, on va voir que deux mini-jeux par épisode de Let's Play, et ça c'est un peu problématique. Donc on va passer directement à celui-là. Alors bon, il va nous apprendre des bases. Alors c'est pas mon rappeur préféré de toute la saga des Rhythm Tengoku, Rhythm Heaven, comme vous voulez. Oui, j'ai appuyé sur A. Oui, j'ai appuyé sur A, je sais. Voilà. Ouais. Ok. Nanadabla. Quand c'est du bleu, je dois faire quelque chose. Ok. Et quand c'est du mauve, je dois faire autre chose. Très clair. Ah oui, là, je dois faire deux fois. Voilà. Oui, bon, à chaque fois qu'on rate la ligne de 3, on doit recommencer. Oh non, c'est pas possible. Allez. Allez. Voilà. Et puis il va nous apprendre notre troisième mouvement. Voilà, et là on doit appuyer deux fois vite. Merde. Enfin bon, je présume que vous avez compris le principe, donc on va faire le mini-jeu. Je viens de taper sur mon ordi. Oui, c'est bon, allez. Yeah. Grosse ambiance. Oh, tu parles. C'est pour ça que je les aime pas trop, en fait. Ils créent pas d'ambiance du tout. Contrairement à ceux de Rhythm Paradise. Yo. Mince. Yo. Mince, mais... Oui, c'est ça, yo. En gros, quand c'est bleu... Quand c'est bleu, c'est 1. Quand c'est mauve, c'est... C'est 2 et... Voilà, et quand c'est jaune, c'est 3. Enfin... Non, c'est pas 3. C'est 2 vies. Mince. Bon, c'est tout? Non. Je me suis complètement raté là. Mince. Mais allez! Yeah! Oui, c'est bon. Ouf! J'ai un ok, c'est bon. Yeah, bon. Il me regarde avec une drôle de tête là. Allez, direction Remix 4. Je pense que ça va plus rigoler là. Ouh là là. Ça commence bien. Allez! Bon, là ça va être un peu plus simple, je pense. Mince. J'étais un peu vite, mais bon. Le principal, c'est qu'on soit au beau score pour celui-là. La principale, c'est qu'on tombe pas.
Non, le chat. Il y a le chat qui vient sur mon clavier là. Saleté. Bon, et qui renverse sa bouteille en plaçant. Merci. Oups. Le chat! Il est en train de saccager mon écran là. À chaque fois, je me reprends pile devant les marches. À chaque fois, on a une petite frayeur là. Non, c'était 6. C'est ça, c'était 6. Ah non, c'est 5. Ouf. J'ai eu peur. J'ai eu peur, je pense que là j'ai manqué. C'est pas un super. Ah ok. Ah c'est un super. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez. Maintenant on a droit à notre cinquième. Comment on va appeler ça? Cinquième colonne de mini-jeu. Ah, ça c'est un mini-jeu que j'aime bien aussi. Malgré que c'est encore les touches inversées. Enfin c'est moi qui ai les touches inversées, donc bon, en gros il faut taper sur les espèces de dalles quand les boules passent, donc c'est aussi bête que ça quoi. Ouais bon allez, je pense que vous avez compris, hein. Par contre, voilà, dans le mini-jeu ça va beaucoup plus vite. Oula. Alors là je me permets de me concentrer quand même. Mince. Pour pas rater complètement le truc. Surtout que j'ai l'impression que les touches elles sont ok. Il y a un ralentissement au niveau des touches. Oh allez, c'est pas possible. Plus qu'un chat derrière qui fait n'importe quoi. Allez. Oh non, c'est pas possible. Allez. Oui, c'est bon, on a compris. Ok, j'ai raté le premier. Oh non, attendez. Attendez, on va directement recommencer là. Non, chut. Ah, c'est pas grave. Chaque essaye de mordre l'écran, mais ça me perturbe. Le chat. Ah mais n'importe quoi. Il va finir par me péter l'écran. Bon, il s'est calmé, c'est tant mieux. Voilà. Avec un super en plus. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh les ninjas! Oh les ninjas! Là, je pense que je vais me foirer, mais plusieurs fois. Hein. Parce que c'est juste le mini-jeu. On n'y arrive pas tant qu'on connaît pas la mélodie. Nettement. Alors en fait, là on est un ninja et notre mission c'est de protéger l'espèce de. D'empereur ou je sais pas. En gros, il faut respecter le rythme. Voilà, bon, j'ai déjà raté là, hein. Voilà. Voilà, ça c'était bon. Ok, n'importe quoi. Ça c'est nettement le truc, je vais devoir recommencer plusieurs fois je pense. Oh là, je suis nulle. Ça c'est le dernier je pense.
Voilà. Mais j'ai été très nulle sur le coup, je pense. Ouais, voilà. Donc, je vais essayer encore une fois, et puis si j'y arrive pas, bah. Est-ce que je vous laisse? Non, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas du tout, on verra bien. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà, un peu mieux. Ça va pas du tout. C'est assez bien ça. Ça c'était bien aussi. Ouh, c'était magnifique ça. Bah, je pense qu'un coup dans le vent en fait c'est ça compte pour un mauvais point. Oula. On a peut-être notre OK là. On a peut-être notre OK. On a peut-être notre OK. Oui, on a notre OK, c'est bon. Ouf. Par contre, pour avoir un parfait là-dessus, mais il faut y aller, mais à fond. Alors, est-ce qu'on fait encore un mini-jeu? Oui, on fait encore les mini-jeux, allez, hop. En plus, eux, je les aime bien encore. Ça va. C'est pas comme si on terminait sur un mini-jeu super saoulant. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. En plus, ils ont tous un nom. Ah ouais, bon. On va apprendre les tactiques ici. Ouais. Ok, donc la technique de A. Bon, la technique de la fille en A là, c'est de le faire vite entre A et B. Technique 2. Voilà, c'est aussi bête comme ça. Ouais, il faut le refaire une deuxième fois. Bon, technique 3 maintenant, je suppose. Ouais. Donc c'est celle de... Mince. Raté. Bon, je présume que vous avez compris le principe, hein. Allez, hop. Par contre, ça demande une concentration suprême là. Donc je pense que j'ai pas beaucoup parlé. Surtout qu'il faut écouter le nom des personnages. Je me suis ratée. Alors ça, je vous l'avoue, c'est nettement le mini-jeu
Vu comme ça a l'air facile, je me suis même ramassé un super. Mais quand vous découvrez ce mini-jeu, vous ne comprenez rien du tout, il y a tout qui va dans tous les sens. Ça, je fais pas, nettement pas. Hein. Vous aurez compris pourquoi. Je le ferai peut-être hors caméra, vu que on est à 23 minutes là. Donc je vais arrêter. Donc je vous jure, si vous essayez ce mini-jeu, vous n'y arriverez sûrement pas du premier coup. Enfin, pas comme je l'ai fait. Parce que ça va dans tous les sens, et il faut s'habituer au nom, il faut s'habituer aux techniques aussi. Donc ça demande du temps. C'est nettement le mini-jeu qui paraît simple sans l'être réellement. Donc bon, bah, je pense que je vais m'arrêter ici. On aura fait presque 4 minutes de plus qu'un épisode normal. Ce qui est beaucoup. Enfin, si vous voulez que je rallonge l'épisode, pourquoi pas. Comme ça, on en aura terminé plus vite, c'est pas plus mal. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour participer à un feu d'artifice, j'ai l'impression. Et ça, bah, ce sera dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que vous porterez bien. Et je vous dis à très bientôt.